Je sais que demain tout cela va partir. Je sais que ce qu'on peut appeler les croque-morts de l'art vont venir et vont emmener ces meubles, ces tableaux, ces sculptures, ces objets d'art. Ce qui veut dire quoi? Une partie de mon âme, une partie de ma vie. Et vont livrer tout cela au feu des enchères. Mais vous savez, perdre quelqu'un avec qui on a vécu, avec des hauts et des bas, c'est une autre histoire. Pendant 50 ans, à qui j'ai fermé les yeux. Vous savez, c'est autre chose que de voir ces objets d'art s'en aller. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Il m'arrive d'ailleurs d'être voir comme ça un coup de tristesse. Mais je crois en rien. Alors, me direz-vous, raison de plus pour croire aux choses. À ces objets inanimés, avez-vous donc une âme? Je crois pas à l'âme. Ni à la mienne, ni à celle de ces objets. Donc, je vais contrôler le destin de cette collection. Je vais assister aux obsèques de notre collection, mais je n'ai pas dit aux obsèques des tableaux et des objets, parce que ceux-là vont connaître une nouvelle vie, dont j'espère qu'ils vont s'envoler comme des oiseaux et qu'ils vont trouver des endroits nouveaux ou se percher.